Alors voilà, bon, rebonjour à tous. Troisième vidéo, puisqu'on a été coupé tout à l'heure, ça il fallait s'y attendre, je crois. Ça coupe apparemment au bout de 17 minutes. Donc j'avais commencé à vous montrer des figurines Star Wars, donc elles sont récentes, hein, pour en fait ne pas racheter en double par erreur, sans m'en rappeler. Là, je pars bientôt à Paris. C'est dans les magasins spécialisés. Alors là, donc je vous avais pas montré. Mais je ne sais pas si on va le voir, ça c'est le prince. Donc je l'avais reçu peu de temps avant mon déménagement. Rappelez-vous, j'avais fait un grand article sur mon blog. C'est une très grande poupée, une très grande figurine de je ne sais pas combien, 50 cm, 60 cm, du prince charmant de Blanche-Neige. Mais enfin, c'est quand même Blanche-Neige, mais c'est plutôt dans la série télé Once Upon a Time que je collectionne. Hein, je collectionne tout sur Josh Dallas qui jouait Charmant, alias David, dans la vie réelle. Rappelez-vous, hein, j'avais fait un article. Et le prince charmant, donc là, il est en cuir, hein, donc dans tout en cuir. Bon, bah dans la série télé, oui, mais dans le dessin animé de Blanche-Neige, non. Hein, voilà. Donc là, maintenant, ce sont les étagères de 33 tours. Je ne sais pas comment elles tiennent encore le coup. Ça doit faire au moins 40 ou 50 kilos, vu tout ce qu'il y a, et j'ai plus de place. Alors, tout est classé. Hein. Par exemple, là, vous voyez le village dans les nuages, les Casimirs. Après, Julio Iglesias, Annie Cordy, après Candy, Dorothée, hein, tous les 33 tours, Dorothée, Marie Laforêt, alors Cheryl Ladd, actrice de Drôle de Dame, Lisa Hartman, actrice de Côte Ouest, hein, chanteuse, Don Johnson, hein, c'est 33 tours, j'ai aussi beaucoup de 45 tours, c'est vinyle. Voilà, après, il y a des tas de choses, des compiles, je vois qu'il y a Carlos, Desireless, Al Corley de Dynasty, qui avait fait quelques années dans la chanson. Après, des BO, hein, BO de films, les films Indiana Jones, Flashdance, Top Gun, les films avec Tom Cruise, les films avec Harrison Ford, les Indiana Jones, Bruce Willis, là, Jésus de Nazareth, la mini-série de 1978 avec Robert Powell, où je collectionne tout. Après, des Dalida, là, alors bien sûr, beaucoup, beaucoup de 33 tours, de Maxi 45 tours, là, ça continue encore, il y a Stéphanie Ouragan, Jackie Quartz, là, des BO, Jeanne Masse, tout Jeanne Masse, Douchka, donc Chantal Goya, bah, est derrière. Après, encore du Dalida, John Schneider, Tom Wopat, acteurs de Shérif et moi peur, qui sont chanteurs, hein, aussi de country, Anne Sylvestre, Jane Manson, les 33 tours, Karen Cheryl, tous les Karen Cheryl, Julie Pietri, la bande à Basile, donc Herbert Léonard n'est pas loin, Tino Rossi, bon c'est plutôt de Noël, hein, parce que j'ai toujours le 33 tours de petit papa Noël de mon enfant, Dallas, et puis Audrey Landers, c'est actrice de Dallas qui chante, des BO et des laserdiscs aussi de Star Wars, un gros coffret là de laserdiscs. Après en bas, alors là c'est on voit pas bien, c'est Sheila, donc les 33 tours. Après Sylvie Vartan, beaucoup 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 de Sylvie Vartan. Après Michel Thor, grosse discographie. Après on continue là-dedans, Gainsbourg, Johnny, bon les Johnny, donc c'est tout classé du plus récent. Vous voyez là c'est des sorties récemment, hein, que j'ai acheté à Auchan. Et puis on remonte aux années 90 et aux années 82. Partout, tout est classé chronologiquement. Joe Dassin, rappelez-vous, le cow-boy de mon enfance. Oh là là, les belles Santiago, que déjà à l'époque qu'il avait. Rappelez-vous, hein, j'avais fait un grand article sur mon blog, hein, où je racontais que c'était mon chanteur préféré quand j'étais gosse. Encore Joe Dassin, Joe Dassin. Après Sylvie. Donc ça, c'est des récents, hein, des récents. Puis on remonte aux années 2000, 90. Ensuite, là. Alors là, c'est Eddie Mitchell, encore un autre cow-boy avec des belles Santiago. Donc ça, c'est Eddie Mitchell de récent. Et puis après, voilà, on remonte plus aux années 80. La dernière séance, émission très importante pour moi, sur laquelle je collectionne, j'archive tout. Florent Pagny, c'est 33 tours. Linda de Souza, j'en achète, hein, ouais, des fois dans les brocantes. Thierry Le Huron, ça c'est de mon enfance, conservé de mon Jason Donovan, Paul Young, Bachelet, Pierre Bachelet, très très fan, c'est un très grand chanteur. Après là, c'est
Pierre et le loup de mon enfance, il était une fois l'espace. Bon, on peut pas, on n'a pas le temps hein, de tout. Il y aura d'autres vidéos. Candy, Capitaine Flob, Albator, les maîtres de l'univers, Jace, les mondes engloutis, Cité d'or, 33 tours d'époque et 33 tours de ressorti, un récent. Nils Holgersson, Sébastien et la Marie Morgan, Sébastien parmi les hommes, Polly à Venise, Rémi, Ulysse 31, Ulysse revient, Nono, à la Inspecteur Gadget d'époque, Téléchat d'époque, Zorro, je collectionne tout la série avec Guy Williams, Blanche-Neige, après c'est ceux de mon enfance, hein, Blanche-Neige, toutes sortes de Blanche-Neige, Peter Pan, les 101 Dalmatiens, les Aristochats, Bambi, Rox et Rookie, Bernard et Bianca, toujours conservé de mon enfance, de mes 30 ans que j'avais dans ma chambre. Hein. Pinocchio, Henri Salva, Robin des Bois, après Disney, des compiles des mangas, Capitaine Flamme, la BO, Goldorak, la Bataille des Planètes. J'ai des raretés, hein. J'ai des 33 tours japonais. Hein. Maintenant, ça serait hors de prix. Je les ai achetés il y a 20 ans. Des compiles de mangas, Maya l'Abeille, bon, ok. Ensuite, Le Petit Prince des années 1950, hein, ancien 33 tours. Les Schtroumpfs, tous les 33 tours, je collectionne tout sur les Schtroumpfs. Le Petit Prince, une autre version, donc plus, toujours Gérard Philippe, hein, mais plus récent, hein, ça doit être les années 80. Thierry Lafronde. C'est tous les Jean Ferrat, là. Gros paquet Jean Ferrat. Je suis très fan et j'en rachète en double. Ça m'énerve parce qu'après, c'est impossible à vendre, même en lot, pas cher sur le bon coin. Voilà, donc là, on a vu les 33 tours. Bouteille qui est venue des USA, culvée de la série télé Falcon Crest. 1981, la bouteille date de 1981. Maintenant, pour faire venir ça, j'aurais plus de frais de port que de prix de l'objet. Alors, à côté, on continue. Ça, c'est tous les oui-oui, les de la bibliothèque rose. Ouais, non, Enid Blyton, tous les Enid Blyton. Après, il y a les oui-oui. Après, je sais même plus ce que c'est. Bon, ça, c'est les Picsou Magazine, mais c'est récent. Alors, là, en bas. Alors, l'organisation continue. Ça, c'est des pommes d'api. Tout est gratuit. C'est tout des pommes d'api récupérées dans des poubelles, dans des boîtes à livres, dans la rue. Ça, c'est tout babar. Tout de la récup. C'est tout pareil. Il y a quelques magazines babar de mon enfance que j'ai racheté en brocante, mais tout le reste, c'est tout trouvé dans les boîtes à livres. Oui, oui. Ça, c'est étagère oui, oui. Tout ce que vous voyez, même les jouets, même les figurines, c'est tout de la récup, dans les boîtes à livres, dans la rue où je trouve des trucs, dans les poubelles. Oui. Petit ours brun, c'est pareil, je ne collectionne pas, c'est pour les bébés, on est bien d'accord. Mais j'adore Petit ours brun parce que quand j'étais petit, vraiment, on était très fans. Il y avait un dessin animé sur FR3, rappelez-vous, ça n'a pas duré longtemps. Eh bien, c'est tout de la récup, les figurines, les petits bouquins. C'est tout de la récup. Alors après, c'est Star Wars. Ça, c'est différents bouquins. Le Grand Bornand, Sanary, Magazine, ouais, différents. Bon. Ensuite, ça, c'est Nounours. Bibliothèque Rose d'époque, tout Nounours. Après, c'est les Titans. Les magazines Titans, les BD Titans avec Star Wars dedans. C'est pour ça que je le prenais. Je les ai presque tous. Bon, il m'en manque quand même quelques-uns. Barbapapa, c'est pareil. C'est, à part le journal de Barbapapa de mon enfance, que je rachète quand j'en trouve dans les brocantes, tout ce que vous voyez, c'est de la récup. C'est trouvé dans les boîtes à livres. C'est gratuit. Il y a de tout. Hein. Il y a même des emballages. Ça, c'est Lego. C'est tout Lego. Je crois que je vous avais montré tout à l'heure hein, sur une autre vidéo. Et ça, c'est Titi. Tout Titi. Ça, je vous avais montré. OK. Alors ensuite, on va dans ce coin. Alors, ce petit coin, c'est... Alors, drôle de dame, les poupées, drôle de... Enfin, je dis ça, il y a Zorro, Orly, jouet, il y a Spider-Man, Mego, en boîte. Drôle de dame. Bon, il y en a aussi dans les boîtes, hein, je ne peux pas tout ouvrir. Boîte de rechange, des tenues, donc, en français, donc, chez Rénal. Chez Hasbro, c'est en anglais, USA. Après, les tenues de rechange françaises. Farrah Fawcett, poupée Mego. Le Van... Voilà. Après, poupée française, boîte française, drôle de dame. J'ai toutes les boîtes. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Joie, il y a un perle, Gym Tonic, la poupée Gym Tonic en boîte. Putain, j'en avais chié pour ça.